Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de ma série, le demi-dieu est avec nous. On va commencer directement par un match, voilà. Je me suis dit, il faut vraiment, vraiment aller au plus vite et surtout gagner des points, arrêter d'en perdre bêtement, faire des défaites ou des nuls. Faut arrêter, donc je vais lancer un match, je vais voir que j'ai pas fait tourner l'équipe cette fois-ci, j'ai juste mis Kolo Touré à la place de Kaboul qui était un peu fatigué, mais je pense que c'est l'équipe de base. On va tomber les gars directement face à une très très belle équipe, franchement, même s'il n'y a pas du collectif, elle est très 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 bon joueur, enfin, il n'y a que 98 du collectif quand même, mais une belle équipe, tu fais attention, il y a Balotelli, El Shaarawy, Lucas, ça peut être très très vite devant. Derrière, je me suis dit, ah, derrière, c'est un peu là, c'est vrai que Peluso et Bourdisso sont pas très très bons, Dean n'a pas son collectif, donc ça se tente. On va attaquer directement la 25e, c'est Van Persie qui va faire une passe à Sterling, Sterling qui va rentrer dans la surface, qui va centrer la tête de Van Persie, qui va être arrêté par Gardin. Et là les gars, ça va être la première occasion du match, franchement c'est la seule, c'était un match qui m'a fait chier tout simplement, je me suis fait chier dans ce match, très très peu d'occasions. Alors j'arrivais pas à me procurer du jeu, mon anniversaire non plus, c'est bizarre, mais vous allez voir qu'à la 50e minute de jeu, voilà, c'est bien sûr Robin Van Persie qui va débloquer la situation, heureusement qu'il est là. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Vous allez voir qu'il va marquer de très, très beaux buts dans cet épisode. À la 61e, par contre, Van Persie va dribbler. Il va se faire faucher par Ricardo Kaka qui va se prendre un rouge. Voilà. Donc, on a un beau coup franc. Van Persie est très, très bon. On va voir si on va le mettre. Et là, la barre transversale. Bon, après, ça va rien donner sur la tête. Mais en tout cas, très, très beau coup franc de la part de Van Persie. On va remporter ce match assez, on peut dire, facilement, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Un but à zéro. Voilà. Heureusement que Van Persie est présent. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit juste avant, il va marquer de très très beaux buts et va être surtout très très décisif. Donc voilà, je stats largement en ma faveur cette fois-ci. Mais bon, on peut avoir de belles stats si on tire à 50 mètres et que c'est cadré. Ça compte comme un tir cadré, c'est pas pourtant une grosse occasion. Donc voilà, les trois premiers points dans cette division 8. On va falloir vraiment que j'accélère un peu le rythme de la série. Donc pendant les vacances, c'est-à-dire je suis en vacances dans une semaine et demie, vous aurez... 2 à 3 épisodes par semaine. Donc on va lancer un second match. J'ai remis Kaboul. J'ai pas fait de changement autre, je crois. Ouais, je pense que c'est bon. Donc les voir, on va tomber face à une très très grosse équipe. Franchement, très très grosse équipe. En plus, on est à l'extérieur. J'aime pas trop jouer à l'extérieur, tout simplement parce que je trouve que mon équipe est moins bonne à l'extérieur. Alors je sais pas si c'est du vrai, du faux, ou c'est, je sais pas. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc je vais tomber face à une team. Une grosse team, franchement une grosse team, Willian, Navas, surtout devant j'ai peur Benteke et Rémi, parce que bon, on sait très bien que les deux de la tête sont très très bons. En plus ils sont complémentaires, Rémi rapide et Benteke physique, une défense solide. Mais vous allez voir que c'est à la 6ème minute de jeu, Anderson va faire un bon contrôle et va marquer les gars. Donc on ouvre le score assez rapidement et vous allez voir que les gars, on va pas s'arrêter là. Regardez, 8ème, ballon profondeur pour Van Persie, et là les gars, observez la classe de Van Persie, la belle balle piquée qui va finir à... Allez, un petit mètre du poteau droit, voilà, franchement, parfait, parfait. À la 11ème minute de jeu, Gouffran va faire une belle action, il va frapper. Le ballon va revenir dans les pieds de Van Persie qui va marquer son petit doublé. Donc les gars, 11ème minute de jeu, 3 buts à 0. Voilà, mon adversaire, vous savez très bien, hein, il va le supporter 3 minutes, voilà. Et il va se quitter à la 16ème. Donc, un match assez, assez facilement gagné, voilà. On a empoché 3 points. Ce qui est quand même pas mal, bon regardez les notes, hein, 6-9, important, et on fait un bon match. Mais bon, ils ont joué aussi qu'un quart d'heure. Il n'a fait aucun tir cadré, donc on va remporter quelques crédits qui vont être franchement assez intéressants. Vous allez voir que je vais investir après pour l'épisode prochain. On va essayer de renforcer un peu mon milieu de terrain. Donc je vais lancer un match les gars, un match. Et là vous allez voir que c'est un match fou, franchement un match fou. C'est pour moi l'un des meilleurs matchs que j'ai fait, je pense, avec cette série. Donc on tombe face à une équipe les gars, une belle équipe, franchement une belle équipe, même si c'est pas non plus la meilleure, mais bon, j'ai surtout eu peur de Benteke devant Sinclair et de Lofeu, très très rapide, et Benteke est en tête, important, regardez, corner à la 4ème minute de jeu, voilà, la tête de Dejan Lovren, donc vous allez voir les gars, ce match va être centre tête de son côté, ça va faire que ça. Sissoko, ballon profondeur pour Gouffran qui fait un magnifique contrôle, qui va pousser son ballon, il va faire un tout petit centre pour la tête de Oscar. Bon, on l'avait juste à la pousser là, à la couper bien comme il faut. 8ème minute de jeu, on égalise, c'est ça le plus important. À la 27ème, Delofeu. Voilà, Delofeu va centrer la tête de Benteke. Allez, c'est parti. Deuxième centre tête, but 27ème. Et là, on va continuer. Van Persie, ballon profondeur. Et regardez le talent de Van Persie. La grosse frappe de Van Persie, pleine lucarne, les gars. Magnifique but de Van Persie. On égalise encore une autre fois. Merci lui, hein. Vraiment très très important dans cette série. Enfin, ce qui est quand même logique. Arnautovic va centrer, la tête de Delofeu sur la barre, et la reprise va aller. Voilà, donc les gars,
3 centres tête pute. Le mec connaît que ça, hein. Mais c'est vrai qu'on va pas se laisser là. Regardez, 45e balle profondeur pour Oscar. Oscar, le 1-2 avec Van Persie, il lui remet la balle piquée. Va-t-elle rentrer? Et non, le poteau, voilà. Ok, merci. À la mi-temps, il domine, mais bon, hein, il a fait quelques centres, des tirs assez lointains, donc c'est un match assez équilibré, je pense. Là, regardez, un joueur éliminé, deux joueurs éliminés, trois joueurs éliminés, le quatrième, voilà, il résiste au cinquième, et il frappe, et il marque, voilà les gars, c'est ça, c'est du Robin Van Persie tout craché. Franchement, pour moi, c'est le meilleur but que j'ai pu marquer avec, avec Van Persie, franchement, le meilleur but. Très très beau but, en tout cas, de la part de Van Persie. Ici, un dégagement du gardien qui va atterrir dans les pieds de Benteke, tout seul va y aller. Je vais mettre en couverture de Bûcher au cas où, hein, éviter d'une petite passe. Le retour de Kaboul important, la relance, elle est bof. On a un joueur qui intercepte, il évite le tac de Sinclair, celui de Bûcher, et il va marquer. Ok, j'ai dit à ce moment-là, parce que tous mes tacs étaient évités. Bref, Sissoko qui n'est pas attaqué, la 88e pour égaliser, va-t-il égaliser? Attention, la grosse frappe de Sissoko, et Sissoko qui égalise 88e. Franchement, un match fou, vous savez très bien les gars que quand ça se passe comme ça, c'est qu'on va marquer. Regardez, un centre pour mettre la tête, un petit cafouillage, on sait comment. La frappe, regardez, arrêt de Doria, et le ballon revient dans les pieds, comme par hasard, de Sinclair. Donc les gars, défaite 5-4, j'étais un peu dégoûté, c'est vrai qu'il a marqué 4 centres têtes. Le dernier, il voulait faire ça. Bon, j'ai vraiment été dégoûté, mais bon, c'est pas très très grave, hein. On a perdu, ça arrive à tout le monde. À chaque fois, dans un épisode, il y a toujours un match qui me fait chier, et voilà. Et ce match-ci m'a fait chier. Donc les gars, j'espère que cet épisode 8 vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire et un like. Les gars, je vous dis merci à tous, c'était Cyril, et on se retrouve très très vite. Allez, bye bye.